Bonjour les cuisiniers en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous dévoiler mes petits secrets pour réussir un délicieux cake salé. Un cake salé moelleux à la texture légère. Alors pour connaître toutes mes astuces pour réussir ce cake, je vous invite à regarder cette vidéo. Bien, donc pour cette recette de cuisine, on va avoir besoin tout d'abord pour effectuer la pâte de 200 g de farine, 5 cl d'huile d'olive. Alors j'insiste sur le fait de prendre de l'huile d'olive car ça va aromatiser la pâte en même temps, 10 cl de lait, un sachet de levure chimique, 3 œufs et 100 g d'emmental râpé. Alors vous pouvez prendre le fromage que vous souhaitez. Sachez que le fromage est important dans les cakes salés car ça va donner une onctuosité et également ça va empêcher au cake d'être sec. Ensuite, pour aromatiser ma pâte, je vais prendre du poivre du moulin. Là également, on prend du poivre fraîchement moulu, c'est vachement meilleur. Du sel, de la ciboulette, du persil, un oignon émincé. J'ai également 200 g de saucisse cocktail de volaille coupée en deux. Et petit ingrédient supplémentaire, du curcuma. Donc ça, je vous expliquerai par la suite pourquoi je mets du curcuma dans mon cake salé. Mais je pense que c'est bon, on peut eh bien commencer la recette. Alors, dans un grand bol ou dans un saladier ou dans un récipient quelconque, on va commencer par casser nos 3 œufs. Alors, on met des œufs entiers, bien entendu. Hein. Et moi, je préfère prendre des gros œufs. Comme ça, on a plus de volume au niveau de la pâte. Donc, vous retrouvez bien sûr le calibre hein, sur les emballages d'œufs. Alors, ensuite... Dans mes œufs, je vais mettre mon huile. Hop. Et je vais battre ça pendant quelques minutes à forte puissance. Donc là, vous voyez, j'ai battu mes œufs et mon huile pour obtenir un mélange très aérien comme de la mousse et c'est ce qui va aussi permettre au cake d'être plus léger. Alors on va continuer, on va mettre la farine. Alors moi la farine je la mets en une seule fois et on n'oublie pas bien sûr de mettre son petit sachet de levure chimique. La levure chimique se mélange toujours avec eh bien la farine car la levure chimique réagit avec la farine. Donc autant mettre les deux ensemble. Donc moi je prends n'importe quelle marque de levure chimique, hein. Ça c'est également un produit qui contient finalement la même chose, peu importe la marque que l'on utilise. Voilà. Et là donc je vais battre une fois de plus avec mon fouet électrique, mais à petite vitesse. Donc j'ai battu à petite vitesse pour deux raisons. La première, c'est qu'on obtient une pâte épaisse. Ça, c'est normal. C'est pour éviter les grumeaux. Et la deuxième raison, c'est pour éviter eh bien, le nuage de fumée de farine que vous venez de voir un petit peu à la caméra. Alors ensuite, pour éviter de faire souffrir votre fouet, vous allez mettre le lait. Et là, on va mélanger jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, je peux mettre de côté mon batteur, j'en ai plus besoin. Alors, pour continuer ma recette, je prends une petite spatule comme ceci.
que je vais utiliser pour ajouter les ingrédients qui vont aromatiser ma pâte. Alors moi je vous recommande de commencer par tout ce qui est en poudre parce que c'est un peu plus long à incorporer, donc comme ça, ça sera mélangé un peu plus longtemps. Donc je vais mettre mon poivre, fraîchement moulu. Alors là, les quantités de sel, de poivre et d'épices sont à discrétion, c'est-à-dire que vous en mettez comme vous le souhaitez. Moi, je sais que j'aime bien beaucoup de poivre, donc je mets beaucoup de poivre. Si vous en voulez moins, eh bien, vous en mettez moins. Et moi, c'est un mélange de poivre noir et de poivre blanc. C'est-à-dire que je préfère le poivre blanc. Maintenant, pour certaines personnes, le poivre blanc, ça a peut-être un goût un peu fort, donc je le mélange avec du poivre noir pour avoir un mélange parfait. Et donc, pour être sûr de bien avoir tous mes ingrédients donc, qui sont bien incorporés, un mélange bien homogène, et bien à chaque fois que j'ajoute quelque chose dans ma pâte, je vais la mélanger un petit peu avec ma spatule. Donc là j'ai mis mon poivre, je vais mettre ma petite pincée de sel. Attention, pas trop de sel car et bien, les saucisses, le fromage, etc. c'est déjà assez salé. Donc j'en mets un tout petit peu, vous voyez, comme ceci. On pourra dire une demi-pincée de sel, c'est largement suffisant. Ensuite, je vais mettre mon curcuma. Alors, pourquoi je mets du curcuma? Il faut savoir que le curcuma, c'est un des meilleurs antioxydants naturels. Donc, ça va vous empêcher eh bien, de vieillir, mais également, ça va vous empêcher eh bien, d'avoir un cancer. Et le curcuma également, eh bien, c'est orange. Donc, ça va un petit peu colorer votre pâte. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra. Et donc, au lieu d'avoir une pâte blanche, vous allez avoir une pâte légèrement jaune, comme si vous aviez mis 3 tonnes de beurre et 3 tonnes de jaune d'œuf. Alors qu'en fait, c'est juste le curcuma qui colore et votre pâte reste quand même eh bien, assez légère. On va continuer donc avec la ciboulette. Moi j'ai de la ciboulette déshydratée. J'achète ça à Auchan, ça coûte 1 euro le gros flacon. Donc ça, ça vaut le coup d'avoir ça hein, dans sa cuisine. Et là aussi j'en mets pas mal parce que j'aime ça. Je mélange. Ensuite, je vais mettre mon persil que je vais... Hop, couper un petit morceau avec un ciseau comme ceci. Voilà, et donc je continue. Alors ne faites pas des trop petits morceaux, parce que sinon, bien, votre pâte va être verte. Et une pâte verte, ben, ça peut être amusant, mais parfois c'est déroutant. C'est peut-être amusant pour des martiens ou des enfants, si vous en avez à table. Mais si vous avez eh bien, votre famille qui vient, évitez d'émincer trop les herbes, surtout si ce sont des herbes fraîches. Et puis, comme ça va cuire, eh bien, le persil, on va pas beaucoup le sentir dans la pâte, c'est-à-dire que ça ne va pas être croquant. Le persil va cuire également. Hein. Donc, vous pouvez vous permettre des morceaux un peu plus gros. Alors là également, j'en mets pas mal. Parce que j'aime ça, vous pouvez en mettre moins, parce que là j'en ai pris quand même une certaine quantité. Sachant que c'est du persil du jardin. Donc là également, il est assez fort. Bref, vous l'aurez compris, vous aromatisez votre pâte comme vous le souhaitez. Bien, donc voilà, j'ai coupé grossièrement mon persil. Je vais maintenant mélanger le tout à la pâte. Et donc, je vais rajouter les autres ingrédients un par un. Alors, je vais mettre mes oignons. Ça, c'est assez important de mettre au moins une sorte de légume dans votre cake. Vous pouvez mettre des tomates, des morceaux de tomates cerises, des morceaux de tomates. Vous pouvez également mettre de la carotte râpée. Vous pouvez mettre du poireau, pourquoi pas. Moi, là, j'ai fait le choix de l'oignon. Alors, le fait de mettre un petit peu de légumes, ça va permettre à la pâte d'être moins sèche également. Ça va apporter un peu d'humidité. Et parfois, vous êtes invité chez des amis et il y a du cake, peut-être industriel ou peut-être du cake salé qu'ils ont fait eux-mêmes. Et c'est vite sec, hein, en bouche. Bien, c'est parce que il n'y a pas assez de corps gras dans la pâte, mais aussi
il n'y a pas de légumes. Et moi, je tiens à mettre au moins un légume à chaque cake. C'est important. Ça augmente le volume de la pâte. Ça fait aussi en sorte qu'il y ait un petit peu de vitamines. Et en plus, eh bien, la pâte sera moins sèche sans ajouter encore plus de corps gras. Donc, c'est tout bénef. On va continuer donc avec le fromage râpé. Donc là également, le fromage râpé, je le mélange, c'est-à-dire que ce n'est pas facultatif de mélanger à chaque ingrédient. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une pâte bien homogène et ça va éviter d'avoir par exemple toute la saucisse d'un côté, tout le fromage de l'autre quand vous allez faire cuire votre cake. Voilà. Et on va finir avec la saucisse que je mets en dernier, parce que la saucisse, c'est ce qui va être le plus facile à incorporer, étant donné que finalement, ça ne va pas vraiment adhérer à la pâte. Et ensuite, quand j'ai mis tous mes ingrédients, je mélange bien le tout, pour avoir quelque chose de très homogène, pour avoir un cake qui gonfle également de façon régulière, puis pour que bien chaque part de ce merveilleux cake soit équivalente. Voilà pour la pâte. Alors c'est une pâte que l'on ne fait pas à l'avance. Ça paraît logique vu la contenance, il y a quand même de la viande à l'intérieur, mais je préfère le préciser, pas besoin de la laisser reposer. On va donc maintenant préparer un petit moule. Et donc moi j'ai prévu le moule à charnière. Alors pourquoi ? Je trouve que c'est plus facile à couper un cake salé en parts un peu comme une tarte. Également le moule à charnière c'est beaucoup plus pratique si on veut démouler son cake, parce que c'est quand même plus présentable que de le servir dans le plat. Et il va plus dorer, c'est-à-dire qu'il y aura une plus grande surface avec une croûte qui sera donc plus grande. Et souvent la croûte, c'est ce que les gens préfèrent dans les cakes. Donc autant avoir un moule plus large pour qu'il y ait plus de croûte. Alors moi, pour m'assurer un démoulage vraiment facile, j'utilise ça. C'est le Ouragan de Ancel. C'est un agent de graissage et de démoulage. Ça me fait toujours sourire parce que c'est marqué « usage réservé aux professionnels ». Enfin bref, sachez que vous en trouvez facilement sur Internet. Si je trouve un lien intéressant, je vous mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Alors là également, on fait attention, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Le seul inconvénient que j'ai trouvé avec ce petit spray, c'est qu'effectivement, ça fait un gros nuage de résidus gras. Donc on en a aussi un peu sur la table. Si vous avez des astuces pour utiliser ce genre de produit sans avoir un gros nuage d'huile un peu partout dans la cuisine, faites-moi signe en commentaire, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Donc ensuite, on va mettre la pâte dans le moule, verser la pâte au centre du moule. Ça permet tout simplement d'avoir un cake qui sera régulier au moment de la cuisson. Et donc, si besoin, je mets de la spatule pour répartir la préparation. Mais sachez qu'avec la chaleur du four, celle-ci va s'égaliser d'elle-même. Donc pas besoin de faire quelque chose de très très lisse. On reste calme et on cuisine. Bon, et bien maintenant je vous propose donc de mettre ça dans un four pas très très chaud. Mettez 190 degrés si vous avez un four chaleur tournante, un peu plus si vous avez un four à chaleur statique. Sachez qu'il vaut mieux un cake qui cuit lentement et plus longtemps qu'un cake qui cuit rapidement, car là aussi, sinon il sera sec. Et voilà le résultat. Alors, petite astuce, que j'avais envie de partager avec vous pour savoir si effectivement le cake est cuit. Vous allez prendre une aiguille à tricoter propre ou un pic à brochette. Moi, je vous ai pris un pic.
pique à crochette un peu format XXL pour que vous puissiez voir le résultat. Vous piquez au milieu du gâteau. Si ça ressort sec, c'est que c'est cuit. S'il y a plein de pâtes collées dessus, c'est que c'est pas cuit. Tout simplement. Alors, l'intérêt du pique à brochette, si vous en prenez un plutôt fin, c'est que ça fait pas de traces sur le gâteau et donc après, pour les décorations, c'est plus facile. Alors maintenant, on va essayer de démouler ça, ce qui va être très facile avec donc ce petit moule à charnière qui vient des magasins Action. Je vous l'avais déjà montré dans un haul. D'ailleurs, je vous mets le lien vers ce haul dans le petit i, le petit point information. Et voilà le résultat. Vous pouvez le déguster avec une merveilleuse petite salade cette saison. Vous pouvez le déguster chaud, vous pouvez le déguster froid. Bref, c'est pratique aussi à emporter pour un petit pique-nique. Vous retrouverez également sur mon blog les photos de cette recette. Bonne dégustation à vous. Et voilà, j'espère que cette petite recette vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Également, n'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces pour réussir vos cakes salés. Comme ça, on pourra échanger un petit peu sur le sujet. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.